Rule number one to be a boss ass bitch. Never let a clown nigga try to play you. Okay. If he play you, then rule number two. Okay. Is fuck his best friends and make them yes men. Okay. How to be a bad bitch. Ça sonne toujours mieux en anglais, je sais pas pourquoi. Je vais faire un petit disclaimer tout de suite. Oui! Vous me connaissez à force. Bad bitch, il n'y a pas de genre. Hein. C'est pour les hommes, les femmes, les autres. N'importe quel genre peut être une bad bitch. Donc, si tu n'es pas une femme, tu peux quand même être une bad bitch. Tu peux quand même donner le meilleur de toi-même. Je vous ai demandé sur Instagram, du coup, ce que c'était pour vous être une bad bitch. Et puis, je vous donnerai un peu de ce que moi, je pense que c'est être une bad bitch et comment l'être. Et on cherchera un peu sur Internet. Comme d'habitude dans cette série de comment se faire des amis, comment se faire de l'argent. Bref, je vous mettrai la petite playlist juste ici. Bien sûr, je regarde par ici, mon PC est par ici, pour ceux qui savent pas. Mais bon, bref, vous savez, vous êtes 50 à regarder ma chaîne de toute façon, donc vous savez. Le truc qui revient le plus, c'est s'en foutre de la vie des autres. Et je partage totalement cet avis. Mais on n'a pas dit que c'était facile. Personnellement, là, à l'instant où je vous parle, on est mercredi 16 juin. Mercredi 16 juin. 16 juin, c'est difficile, c'est ce qu'il y a à dire quand même. J'ai posté un TikTok, je vais vous mettre... Maintenant, je vous le mets maintenant. Est-ce que j'ai acheté le fameux haut de chez Shein? Bien sûr. Et est-ce qu'il me va? Évidemment. J'ai posté ce TikTok et je me prends une shitstorm. J'en ai parlé sur Insta. Vous allez me dire, mais si vous me suivez sur Insta, vous en avez marre de moi. Mais les commentaires. Pardon, pour un haut. Pour un haut. Et c'est là que je me suis dit, bon, déjà j'avais déjà envie de faire ce format, comment être une bad bitch. De toute façon, j'ai vraiment envie de continuer les comment quelque chose, n'importe quoi. Les comment, j'aime bien, voilà. Se foutre de la vie des gens, c'est compliqué, je pense, à notre époque, parce que les réseaux sociaux, ça... Les gens se pensent protégés derrière leur écran, et dans les deux sens, je veux dire. Alors que pas du tout. Il y a des humains, en fait, derrière des vraies personnes. Donc c'est difficile de se foutre de ce que les gens peuvent penser. D'ailleurs, j'avais envie de mettre ce haut pour cette vidéo et je me suis dit non. Alors, c'est mal parti pour vous dire comment être une bad bitch qui s'en fout. Maintenant, c'est lié à quelque chose d'autre que vous m'avez dit sur Instagram, c'est-à-dire savoir dire non. Même quand on nous demande quelque chose de manière toute mignonne, t'as pas envie, tu fais pas. Et ça marche aussi du coup dans l'autre sens, t'as envie, tu fais. Apprendre à être ferme dans ses choix, dans tout en fait, ça te permet de te foutre de la vie des autres en fait. Il y a quelqu'un qui va venir te dire que ton haut est moche dans la vraie vie. Je veux dire, un inconnu, ça n'existe, enfin, ça existe que très peu, voilà. Mais tu peux voir les regards, sois ferme, sois... Franchement, c'est un de mes conseils numéro un, fais semblant. Pas fais semblant dans le sens soit un gros mytho. Fais semblant, si tu n'as pas confiance en toi, fais semblant. Ça viendra! Ça viendra! What do you do on those days that you don't feel that confident or fearless or powerful like you did out there? Pretend. Fake it? Yeah. Until we make it? I mean, why not? Vous savez, enfin pour ceux qui me suivent, parce que peut-être ça se voit moins sur ma chaîne, mais j'adore jouer ce rôle de « Ouais, je suis trop fraîche. » Alors, je me trouve trop fraîche. Hein. Attention, je veux pas de commentaires. Non, t'es pas fraîche. J'ai pas demandé ton avis. Jean-Mi, 57 ans, j'ai pas demandé ton avis. Bref. Il faut trouver vos atouts. Voilà, pour moi, être une bad bitch, c'est trouver ses atouts, les mettre en avant, quels que soient les atouts. On parle pas d'atouts physiques ici. On parle de n'importe quoi. Vous pensez que vous n'avez pas d'atouts? C'est impossible. C'est impossible. Vraiment, j'ai pensé pendant des années que genre j'étais pas douée dans les choses, vous voyez? Mais moi, tu me donnes des fonds de placard, je te cuisine un truc semi-gastronomique, on va pas dire gastronomique, mais je te fais un plat. Et c'est une plus-value. Et clairement, être une bad bitch, pour moi, c'est ça, en tout cas, comment le devenir, faire vraiment de ses qualités, des surqualités, et en rajouter des tonnes, parce que oui, tu mérites. Tu mérites, qui que tu sois, tu mérites. Voilà, donc, savoir s'affirmer face à l'adversité, face aux critiques, face à des choses qui nous plaisent pas. Bad bitch attitude. Vraiment.
J'ai aussi eu plusieurs commentaires sur quelqu'un qui s'assume, donc on est toujours sur la même dynamique, mais aussi une bad bitch, c'est quelqu'un de sexy. Alors je comprends, mais je pense que c'est pas, enfin moi c'est pas l'image que j'ai envie de donner de ce qu'est une bad bitch, parce que je pense que ça a été bien rattrapé par le patriarcat, ça, ah c'est une bad bitch, elle est sexy, on n'a pas forcément envie d'être sexy. Oui, on n'a pas envie forcément d'être sexualisé pour qu'on estime qu'on est une bad bitch. Et pareil, être une bad bitch, c'est certes s'affirmer, mais pas forcément crier sur les gens. J'ai eu un commentaire comme ça qui dit « Jamais crier, toujours être claire et confiante, rire des imbéciles. » Et il n'y a pas plus vrai, en fait. C'est alors après, chacun sa manière de s'exprimer. J'ai longtemps eu besoin de crier pour me faire entendre. J'estime que maintenant, j'espère ne plus être comme ça et ne plus me remettre dans une situation où on a besoin de crier pour se faire respecter. Mais voilà, je veux faire comprendre que être une bad bitch, avoir confiance en soi, c'est pas forcément mettre des vêtements sexy ou avoir une attitude sexy. On n'est pas obligé. Alors, si t'as envie, go for it! Vas-y, fais-toi plaisir! Mais si t'as pas envie, crois pas que ça va pas faire de toi une girl boss, ça va pas faire de toi... T'as envie de caler tes meilleurs cols roulés toute l'année? Vas-y! Fais-toi plaisir! Je pense que c'est ça le maître mot de être une bad bitch, c'est se faire plaisir, n'en déplaise aux autres en fait. Alors, bien sûr, on n'empiète pas sur la liberté des autres et ainsi de suite, enfin, tu vas pas imposer quelque chose à quelqu'un d'autre, parce que toi tu veux pas qu'on t'impose des choses, justement. Bien sûr qu'il y a des moments où il y a des compromis à faire. C'est pas toujours évident. Je sais que je ne sais pas. Je sais que je ne sais pas. C'est beau. C'est un peu philosophique, vous trouvez pas? C'est difficile des fois de fermer sa bouche. Pour ma part en tout cas. Sur des choses. Mais il faut savoir quand c'est le bon moment ou non. Être une bad bitch, c'est aussi ça. C'est aussi savoir s'adapter. C'est aussi... imposer ses idées sans... Enfin, imposer, non, justement, véhiculer ses idées sans les imposer et savoir lâcher l'affaire aussi quand il faut lâcher l'affaire. C'est, de mon point de vue, important. Du coup, je rebondis sur un dernier message que j'ai eu qui était « être sa priorité ». Soyez votre priorité, vraiment. C'est le plus important, je pense que... Les gens vont dire « ouais, t'es égoïste ». On me l'a déjà dit, on me le dit assez souvent sur le fait... Bah, déjà, rien que le fait que je n'avais pas d'enfant, on me dit que je suis égoïste. N'y a-t-il pas plus égoïste que de faire des enfants? C'est ok de vouloir faire des enfants, attention. Mais c'est pour soi, c'est pour son propre plaisir, donc voilà. On me dit souvent que je suis égoïste et je dis « ah ouais, merci ». Je pense qu'il y a une différence entre l'égoïsme du genre « je veux pas partager avec mon frère ma brioche » et le self-love, l'amour propre, c'est vraiment deux choses totalement différentes. Et c'est important d'être sa propre priorité. Il y a définir vos objectifs et les suivre. Et bien sûr, il peut y avoir des obstacles. Bien sûr, vous avez le droit de changer d'avis aussi. Oh, pardon. Vous êtes votre propre priorité. Vous êtes mis en tête, par exemple, je sais pas, telle carrière, tel truc. Ça n'aboutit pas. Ce n'est pas un échec. C'est pas grave. Vous en trouverez d'autres. Vous ferez autre chose. C'est aussi ça, savoir rebondir, ne pas se laisser abattre, même si on a le droit. On a le droit d'avoir des jours de déprime à bouffer de la glace devant Bridget Jones. Oui, les plus jeunes générations, vous comprenez pas ce que je dis. Mais voilà. En tout cas, ma communauté et moi, je pense qu'on est assez raccord sur... Enfin, la communauté Insta, sur ce qu'est une bad bitch. Mais maintenant, on va voir ce que Internet nous propose. Comment être une... Ah, bonne mère. Bad girl. On a bad girl, c'est pas mal. Une bad bitch. Alors, je sais pas si Google, il va beaucoup aimer bitch. On verra si le bad girl est intéressant. Alors, 17 qualités de soi-disant bad bitch. De soi-disant. Voyons voir. C'est sur quel site? Femmedinfluence.fr. Alors, elle a confiance en elle. Elle assume ce qu'elle dit. Elle assume ce qu'elle porte. Elle assume sa morphologie. On va s'intéresser à ça. Et là, on voit encore qu'elle soit skinny et fine, dans les deux cas, des complexes s'installent. Alors, des complexes s'installent. On m'a beaucoup dit sur mon TikTok aussi, j'ai eu beaucoup de messages archi gentils, vraiment de l'amour en barre. Mais on m'a dit, j'aime trop, tu t'assumes. Si j'étais skinny,
Est-ce que vous m'auriez dit ça? Je pense pas, en fait. Dans mon esprit, la bad bitch s'assume au quotidien. Ça veut pas dire qu'elle a pas de faiblesse. Ça veut pas dire qu'elle peut pas avoir des complexes comme tout le monde. Et sinon, c'est ok de pas en avoir aussi. Parce que les gens qui disent, oui, elle dit qu'elle a pas de complexe, mais Théma, ça, si, ça, ça. Ça, c'est tes complexes que tu projettes. D'ailleurs, je veux dire, t'as envie d'être une bad bitch, homme ou femme ou autre. C'est pour toi. Si tu dois, tu vois, je pense que la bad bitch, elle s'aime pour elle-même. C'est ça l'essence même du truc, en fait. Elle fait le tri no fake friends. Oui. Dans mon cas, je le vois comme ça, mais je suis pas sûre que ça fasse partie du concept même de bad bitch. Je pense vraiment qu'il y a des personnes hyper fortes qui sont pas toujours bien entourées, mais qui ont conscience de sur qui elles peuvent compter. Qui ont une espèce de hiérarchisation de l'amitié, c'est-à-dire toi, t'es ma pote pour sortir, mais on n'ira pas faire un scrab. Je te présenterai pas à ma mère, tu vois, des trucs comme ça, et oui, alors peut-être dans ce cas-là, oui, je peux être d'accord. Alors, elle marche d'un pas déterminé, oui, bon, ça, on s'en fout, on essaye, mais c'est pas toujours évident. Elle se construit elle-même, elle n'a pas peur du sexe opposé. Bon, là, on est sur la femme, du coup, toujours, mais moi, je suis vraiment pas dans le concept de genrer le côté bad bitch, et elle n'a pas peur du sexe opposé. On en a peur quand même, en fait. Bad bitch, pas bad bitch, personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri de se faire agresser, en fait. Non, personne. Tu peux être la femme la plus forte, la femme la plus belle. Elle a des priorités. Elle-même, la priorité. Elle n'a pas peur de ce que l'on pense d'elle. Non, elle croit en ses capacités. C'est là que je vous dis que le truc de bad bitch, c'est pas que physique. C'est souvent ce qu'on met en avant, mais je pense sincèrement que c'est important de savoir ce qu'on vaut, et si votre truc à vous, c'est les jeux vidéo par exemple. Vous êtes extrêmement fort en jeux vidéo, et il y a plein de gens qui vous disent « Ouais, mais bon, en gros, c'est pas ouf. » Il y a des gens qui se font des millions en jouant à des jeux vidéo. Donc, pardon, si votre truc à vous, je sais pas, c'est le nail art, où vous êtes extra en tonte de pelouse. Mais c'est génial! C'est une qualité. Elle est intransigeante, elle est ambitieuse, elle ne joue pas. Intransigeante, je pense que c'est important de savoir ce qu'on veut, mais comme je disais, faut savoir faire des compromis, mais les compromis, c'est pas au détriment de notre bonheur. Hein. Pour ma part, par exemple, on m'a déjà dit de faire des compromis sur le fait d'avoir des enfants. Mais je vais pas faire un compromis sur le fait sur une vie humaine, en fait. Non, j'en veux pas. Je veux dire, bon, bah, je vais quand même en faire un... Je serais malheureuse, mais c'est pas grave. Vous voyez, c'est faire des compromis sur... je sais pas, votre moitié, elle a envie de manger une crêpe. Vous avez envie de manger une gaufre. Bon, bah, cette fois, c'est des crêpes. La prochaine fois, ça sera des gaufres. Vous voyez, ça, c'est ok. Ça, c'est bon. Elle veut être la meilleure dans tout... Non. Bon, c'est pas ça, hein. Être la meilleure à la rigueur dans son domaine de prédilection, mais dans tout... Ça serait... Enfin, c'est ambitieux. Alors, on est d'accord, on reste sur l'ambition, mais... Non, moi, je suis pas d'accord avec ça. Célibataire ou en couple, who cares? Je pense qu'on voit beaucoup la femme dite bad bitch comme indépendante, donc célibataire. Et c'est ok d'être célibataire. Alors là, bref, je suis convaincue ici, mais c'est pas parce que t'es en couple que tu peux pas être indépendant, que tu peux avoir ses propres trucs, en fait. Et donc, du coup, c'est pas incompatible d'être deux bad bitch en couple, et on va pas se marcher les uns sur les autres, justement, c'est ça, il y a aussi de la tolérance. Là, ils disent, elle ne s'excuse pas constamment pour ce qu'elle est. Pour moi, personnellement, être une vraie bad bitch, c'est aussi reconnaître quand on a tort, savoir s'excuser, c'est important. Et c'est là que je trouve qu'il y a une différence entre être présomptueux, être prétentieux et être une bad bitch. Une bad bitch, c'est une personne réelle, mais elle va pas venir te donner son avis négatif si tu l'as pas demandé, en fait. Femme d'influence nous disait ça, mais ensuite, les 15 conseils d'Amber Rose pour être une bad bitch. Ah bah tiens, allez. J'ai vu, juste en dessous, j'ai vu Wikio qui propose comment être une garce. On va regarder ça après. Oui, bon là, Amber Rose, elle parle de bad bitch en tant que femme seulement, mais c'est pareil, savoir dire non, savoir montrer ce qu'on veut. Ouais, bon là, c'est aussi basé sur le fait d'être une femme en couple. Hein. Je suis pas d'accord. N'envoyez au grand jamais de photos de vous nues à un homme. Enfin, c'est triste parce que t'as envie... Enfin, je sais pas, des fois, t'as envie. Je sais pas, il y a... Envoyer des nudes, c'est ok, faut que ce soit... faut que ce soit consenti, hein. C'est à... Messieurs, je m'adresse à vous... Vos dick pics dégueulasses pris en contre-plongée dégueulasse, on n'en veut pas, non merci.
C'est ok de nuder, oui, c'est censé être entre personnes de confiance, mais les gens qui vont trahir votre confiance, c'est pas vos ennemis, hein. Oh non, vos ennemis sont fidèles, vous savez. Vous savez qu'ils vont faire de la merde avec votre vie. Mais les gens qui trahissent votre confiance, c'est vos proches. Voilà, si c'est un échange consentant et consenti, bon, moi j'ai rien contre ça. Séduisez avec vos yeux, si vous désirez vraiment un homme, dites-lui. Bon là, on est sur de la conseil en séduction, c'est pas du tout ce pourquoi on est venu. Même si, d'une certaine manière, je comprends le côté bad bitch indépendante, donc qui fait le premier pas. Et d'ailleurs, je suis la première à dire, faites le premier pas. Quelqu'un vous plaît, je sais pas, ça a fait depuis. Dites-lui. Vous savez quoi à perdre? Vraiment. Enfin, il y a quoi à perdre? Tu vas te prendre un râteau? Tout le monde a déjà pris un râteau. Vous allez pas me faire croire que vous avez plu à tout le monde dans votre vie. Ça pique l'ego, mais on peut pas plaire à tout le monde et tout le monde ne nous plaît pas. Ça va dans les deux sens. Et franchement, vous êtes en crush là depuis des mois. C'est le moment. C'est votre signe. Mettez pause. J'attends. Mettez pause, envoyez un message. C'est bon? Ok. Maintenant, faut déstresser jusqu'à la fin de la vidéo que la personne réponde. Pas de dick pic. Non. Comment être une garce? On va finir avec ça. Je suis morte. Comment être une garce? Avec image. Wikio ma vie. Alors, être une garce comme Regina George, j'espère vous avez la rêve. Il faut savoir que le terme de garce, c'est seulement le féminin de gars, garçon. Alors, mal employé comme une insulte, parce que apparemment tout est tourné comme une insulte quand il s'agit des femmes, hein. On connaît, être une garce, c'est ok. On n'a pas à être sympa avec tout le monde. Tu peux être poli. Alors, être poli, c'est une chose. Je veux dire, c'est pas les gens viennent te dire bonjour, excuse-moi, est-ce que vous avez l'heure, t'insultes les gens, non. Tu peux être poli, mais ferme, et sans pourtant être sympa. Comme l'injonction au sourire, j'en vous ai déjà parlé, mais vous pourriez sourire. Mais les masques, meilleure invention, pardon. Moi, je vis ma meilleure vie, j'ai pas besoin de sourire aux gens. Mais ils disent d'être à la mode, j'ai vu en bas. D'être à la mode et ayez un sac à main, avec un peu de maquillage dedans. Non. Enfin, si vous avez envie, c'est pareil, mais... Si vous n'avez pas envie d'avoir un sac à main et vous n'avez pas envie d'avoir du maquillage, vous n'êtes pas obligé. La bad bitch n'est pas obligée. C'est justement tout le concept. Elle n'est pas forcée de faire des choses qu'elle ne veut pas faire. J'ai dans la vie ne pas faire les choses que je ne veux pas faire. D'ailleurs, ce truc-là, du sac à main, pourquoi il n'y a pas de poche dans les vêtements des femmes? Et je galère. Vous savez, hein, ceux qui me suivent, vous savez, moi, c'est jogging vie parce que j'aime être à l'aise. Mais des joggings sans poche. On rappelle que c'est pour faire du sport, normalement. Je mets mes clés, tout ça. J'en fais quoi? Alors oui, je fais pas de sport. Je fais du sport en leggings. Mais dans mon leggings de sport, il y a une poche. Donc, là, j'ai acheté un jogging. J'ai dû l'acheter chez les hommes parce qu'il y avait le même, exactement le même chez les femmes. Pas de poche. Là, j'ai des poches sur les côtés, une poche derrière. Ma vie, les poches derrière, il faut normaliser ça. Ça fait des fesses en flic. Soyez hyper sympa pour une poignée d'intimes. Alors oui, être sympa qu'avec les gens que vous aimez. Oh, dis donc. Après, il y a des gens qui aiment être sympa avec tout le monde. J'arrive pas. Personnellement, ça me prend trop d'énergie. Mais j'admire les gens qui sont comme ça. La patience. Souvent, c'est plus de la patience que de la gentillesse. Non, mais là, c'est n'importe quoi. Piquer des trucs. Riposter. Flirter. Simuler d'abord de la gentillesse. Ouh là, non, on n'est pas sur le bon concept, là. Je sais pas ce que nous a fait Google sur ce point-là, et on n'était pas parti sur ça. D'où vous voulez de la bad bitch indépendante, une meilleure version d'elle-même. Et c'est pas obligé d'être tous les jours. Attention! Il y en a qui pensent aussi à la bad bitch qui doit être en flic tous les jours, de bonne humeur tous les jours, qui, vous voyez, qui doit être compétitif tous les jours, qu'au travail ça doit être la meilleure tous les jours. Non! Justement, c'est vivre sans faux semblants et avoir conscience que des fois il y a des downs. On n'est pas obligé de les montrer. Si on n'a pas envie de montrer ses dents, on peut le faire aussi. Enfin, je veux dire, c'est chacun fait ce qu'il veut. Mais avant tout, je crois que le maître mot, et on finira sur ça, c'est être indépendant et vivre pour soi. Voilà, vivre pour soi. Avant tout, parce que je le dis, et franchement, c'est une phrase que je dis, mais depuis tellement longtemps, je pense que tous mes amis l'ont entendu, la personne avec qui tu vas vivre le plus longtemps dans ta vie, c'est toi-même. C'est toi-même, imagine, t'es en conflit avec toi-même. Mais la vie qui t'attend, sauf si t'aimes les conflits, hein. Mais perso, moi, c'est pas le cas. Et trop de fatigue.
Non, vraiment, c'est toi-même. Prends soin de toi-même. C'est ça. Avant tout, demain, je sais pas, t'as ta voisine qui déménage. Tu veux pas l'aider parce que t'es fatigué. Tu dis non. Tu dis non. Alors, je sais que des fois, il y a des petits mensonges qui sont obligés de s'installer parce que t'as pas envie de blesser la personne. Et d'un côté, c'est bien. Mais je sais pas, moi, perso, je suis pas pour le mensonge. Le mensonge a brisé mon cœur plus d'une fois. J'ai pas envie d'être dans ces schémas-là, mais je peux comprendre qu'il y ait des mensonges un peu bienveillants. On va dire, non, je peux pas, je dois aider ma mère. Et puis tu bouges chez ta mère, et au moins tu vois ta mère. Voilà. Vous voulez pas, vous dites non. Je veux dire, il y a pas besoin d'avoir de justification. Un non, ça devrait suffire, en fait. Et ça veut pas dire non à tout, mais t'as pas envie. T'as pas envie. C'est ça, vraiment, pour moi, c'est ça. C'est savoir asseoir ses idées, savoir laisser couler quand... En face de toi, t'as une personne qui est pas du tout dans le même mood que toi. Et franchement, le moins de charge mentale possible. Et vraiment être une bad bitch pour moi, c'est ça. Je sais que souvent, l'équivalent masculin, c'est les gars entrepreneurs. Vous savez, la question, elle est vite répondue, tout ça, t'as vu. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Mais d'un côté, je conçois. T'as envie d'être entrepreneur? T'as une idée? T'as les fonds qu'il te faut, t'as fait un business plan, vas-y, donne-toi les moyens d'y arriver, et voilà, c'est pareil pour tout le monde, donc j'espère que j'ai pas été trop floue, il fait super chaud, je commence à fou, mais j'espère que j'ai pas été floue, que vous aurez appris que comment être une bad bitch grâce à cette vidéo, que vous serez déjà bienveillant avec les autres, parce que là, bad bitch, elle est bienveillante, là, bad bitch, elle ouvre sa bouche que pour te dire que ta robe, ton jean, ton sac, ton make-up, ta coiffure est en flic, sinon elle se tait. Vraiment. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel genre de comment vous voulez faire, parce que j'aimerais bien aussi faire... ça date un petit peu, ça date de 2019, mais j'avais fait des trucs comment bien déménager, enfin 10 types de trucs, enfin bref. Des conseils pour déménager, des conseils pour... Voilà, et ça j'aime bien ce genre de trucs, ou alors si vous avez un autre comment quelque chose, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à vous abonner, bref. Sur ce, à la prochaine.